You've changed the squad and included a number of uncapped players in this year's championship. How important is it to bring through those younger players into the side? On a été confronté à des blessures, mais en même temps, on se doit de renouveler le groupe. Donc effectivement, il y a tout un tas de joueurs qui arrivent, soit parce qu'ils ont montré des qualités à travers les franchises, notamment italiennes, et donc on peut les intégrer. Soit dans le championnat italien, on a de très jeunes joueurs qui sont arrivés, notamment sur des postes à responsabilité comme demi d'ouverture, où on a trois joueurs qui ont moins de 22 ans. Donc c'est un poste, c'est un challenge intéressant et difficile. Italian rugby has become really popular amongst the fans. How important is the support from them throughout the Six Nations? Effectivement, il y a eu un développement, que ce soit partout. On a eu une très belle Coupe du Monde qui a donné un tempo, je crois, au niveau du jeu, qui a créé un mouvement. En Italie également, puisqu'on arrive à remplir des stades de 70 000 personnes régulièrement. Donc, il y a un public qui suit l'équipe nationale pour le moment. On a un petit peu plus de mal à faire suivre les franchises notamment. Le public est moins important. Mais sur l'équipe nationale, il y a vraiment un engouement. This is your last season as head coach of Italy. What would you like to see from your players in this RBS Six Nations? Ben j'attends que l'équipe d'Italie montre en continuité l'image du jeu que je voudrais qu'elle joue. Voilà, c'est ça. Et de laisser l'image d'une équipe qui est entreprenante, qui est offensive, qui est actrice du jeu, qui prenne ses responsabilités sur le terrain. Et ça, dans la continuité de la compétition, parce qu'on l'a fait, mais par moment, on l'a fait par intermittence. On n'a pas su le faire dans la continuité. Donc j'aimerais finir le tournoi sur cette image-là.